Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire, disons, la solution pour la vidéo du devoir de l'exercice 2D du chapitre 6, donc la conversion en binaire avec une fraction limitée à 6 chiffres maximum de 564,32. Donc, on va aller au calcul. Si on suit ici, quand on fait le chiffre entier, il faut tout le temps prendre le gros chiffre, donc lui, et le diviser par 2 et garder arrondir la fraction en 0 ou en 1, dépendant de s'il y en a une ou non, et l'enlever pour, disons, trouver le nombre binaire. Donc, et surtout aussi, il faut le lire à l'envers. Donc ici, ça ferait 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. La virgule pour la suite. Et pour la suite, faut prendre la décimale, qui est en gros ici, 0,32, et la multiplier par 2, et disons faire à peu près un processus inverse. Donc ici, ça ferait 0,32 fois 2, qui est 0,64, donc. Ça fait 1,28, donc là il faut enlever le 1 et garder le 28 fois 2, 0,56, 0,56 fois 2, 1,12, et ainsi de suite. Bon, j'aurais pu continuer plus loin, mais l'exercice nous demande juste après 6 chiffres. Donc si on prend nos 6 premiers chiffres, ça ferait virgule 0, 1, 0, 1, 0, 0. Donc ça serait la réponse. Ici, on va voir l'exercice. On peut voir que ça correspond. Voilà.